Allô? On m'entend? On m'entend? Non, alors s'il vous plaît, ne demandez pas le remboursement. Parce que déjà, on est sur la paille. Ça va être compliqué. Non, désolé, désolé. Eh, les gars, on se calme là. On se calme. Je règle les paramètres pour être sûr que l'émission se passe dans les meilleurs. Dans les meilleures ambiances. Ah, incroyable. Alors, attention, chose incroyable, le chat semble être revenu. Parce que au dernier live, et apparemment ça n'était pas qu'à moi, comment dire, il n'y avait pas le chat. Apparemment, le chat était une grosse énorme daube. Une grosse méchante. Comment vous allez les gens? Bienvenue pour ce sixième épisode donc de Manga no Mi, qui j'espère va bien se passer. On a une ribambelle d'invités ce soir, bien évidemment, je vais les rejoindre dans quelques instants. Mais en tout cas, d'abord, je veux savoir comment ça va. On est là pour le sixième épisode de Manga no Mi. Le sujet sera bien évidemment Yu-Gi-Oh! J'espère que nous allons apprendre plein de choses ce soir. Mais oui, c'est trop bien que le chat il soit là et tout et machin et Comment ça va? Bien? Moi ça va bien. Alors attention, je vais aller rejoindre les invités surprises. Alors, j'espère que cette fois le mixage son il sera bien parce que l'autre fois ma voix était un peu trop forte par rapport aux autres. Là, je vais essayer de remixer du coup. Remixer un peu. Oui. Oui. Attends. Exactement. Quoi? Attends, je suis perdu. Tombez. Je suis perdu. Tais-toi, j'habite. Mais. Alors, je vais vous mettre à 100 à peu près. Parce que moi, j'entends. J'entendais pas grand-chose. Ah. Attendez, je vide mes poubelles. Non, c'est peut-être un putain, peu... mais... Quoi? Tu es dans une décharge? Ouais. Oui, bah je suis SDF, oui. Là, putain, mais... C'est ça quand on n'a pas beaucoup d'abonnés sur YouTube. Voilà, vous voyez, le peu d'abonnés, ça détruit des vies. Ouais, c'est la pauvreté, hein. Maintenant, ça détruit la rousseur aussi, la rousseur. La rousseur, la rousseur surtout. C'est vrai, bon, c'est vrai, la rousseur. C'est vrai que ça aide pas. Bon, on est bien ici pour parler de Pokémon épée, hein, Non, alors non, non. Calmez-vous, je sais. Mais c'est dans ces moments-là où une bonne gorgée d'oasis fait beaucoup de bien. C'est vrai. Quoi? Merci mais à tous. Tu viens de me rappeler que je me suis grouillé parce que déjà que j'étais en retard et que du coup, j'ai pas... Ah si, j'ai pris un peu d'eau, je crois. Ah. Je crois que je vois la bouteille d'eau. Incroyable. Un peu d'eau, attention, pas trop d'eau, ok. J'ai un doute. Un peu d'eau, mais pas trop d'eau. Je peux m'hydrater, mais pas trop m'hydrater. Bon, quand est-ce qu'on est en live, là? Vous l'avez? Mais là, on est en live, là. Putain, mais tu es con. Bah, je sais pas, il aurait pu ne lancer plus tard. Bonjour à tous ceux dans la Twitchosphère, comme on dit. Comment vous allez, la Twitchosphère? Tu connais ça, Jabir? Quoi? Tu connais ça, toi, Jabir, qui est américain? Ouais, je suis plutôt ricain, ouais, je veux dire. Par contre, Moquette, comment t'as fait pour avoir 0 badge en 10 heures? Ben en fait, il y a un truc qui s'appelle les terres sauvages dans lesquelles tu peux t'amuser pendant longtemps. Mais de toute façon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses dans ce jeu, je trouve, sans avoir, enfin, avant d'atteindre le premier badge. Les amis, on est là donc pour nous amuser, bien évidemment, à parler de Yu-Gi-Oh! Ramenez du monde là. On compte sur vous pour être genre 3000. Putain, mais. 3000, carrément. Là, ça buzz, en fait. Là, en fait, on veut l'argent.
on veut l'argent. Ouais, genre, Instant, demande tout le monde qui demande à Konami de retweeter là comme ça. Faites des dons sur mon PayPal et puis on est bon. Oui, c'est vrai. Moi, je suis là pour ça en fait. de quoi qu'est-ce qu'on parle? Eh bien, alors on va bien évidemment on va parler de Yugi Fion, mais avant. Mais non. C'est fou ça. Il faut qu'on parle de choses graves qui ont été révélées ce week-end et qui ne m'ont bien évidemment pas trop fait plaisir. Alors, ce n'est pas un manga nommé One Piece, mais il faut qu'on parle quand même de certaines news qui sont complètement terribles. Okay. Bien évidemment, il n'y aura pas de spoil, mais en fait, ça va être des nouvelles en mode données des faits par rapport à l'avancée, tout ça. Donc si jamais vous ne voulez pas savoir rien du tout, eh bien... Cassez-vous, en fait. Mutez pendant quelques instants. Ou alors, avancez dans la VOD, bien évidemment. Tu feras un sommaire, évidemment. Un sommaire, voilà, tel pourcentage, tout ça. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on a eu deux interventions ce week-end. Il y a eu l'intervention de l'éditeur, alors je suis trop nul pour les noms, Nitoshi. Bonjour, Gérard Dan, la fureur du lion. Merci Bloomflora pour le follow, des gros bisous. Je sais très bien de qui il s'agit, des gros bisous. Et alors, je sais plus comment il s'appelle son fucking éditeur Aoda, mais ça a été triplement confirmé par Oda, par son éditeur et par le directeur de la Toei que One Piece en a pour encore 5 ans. Donc en 2025 environ, One Piece sera clairement sur sa fin. Alors, on connaît Oda, on sait qu'il aime bien expandre un petit peu ses choses, machin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il veut, il est parti pour terminer son œuvre dans 5 ans. Ce qui amènerait globalement, si on fait un calcul très simple, à 114 tomes environ. Donc je pense que le manga tournera entre 115 et 120 tomes à la limite s'il veut vraiment prolonger le truc. Ils ont confirmé effectivement que Wano serait le dernier arc le plus long, que ce serait un arc qui à sa fin dévoilerait quasiment ce qu'est le One Piece. On va avoir les secrets de la jeunesse de Roger. On va avoir, mais tout ça c'est même pas des rumeurs et tout, hein, c'est des faits, hein, c'est les mecs qui l'ont dit tout ça. Rappel, le record de Zone, c'est 230. Oui, c'est vrai. Alors, ils ont dit aussi que l'affrontement final de l'arc, alors là, j'ose pas trop dire qui va affronter Luffy, mais ils ont clairement dit que ce fight sera légendaire et que... Alors, ce qui est plus perturbant, on va dire, c'est que... c'est un truc qui me fait super peur, c'est que sur les 5 ans qui reste, au moins 3 bonnes années seraient consacrées à Wano. Donc c'est quand même assez terrible. C'est ce que ça vous... Ouais. Sur les 5 ans restants, il y en a plus de la moitié qui restera à Wano. Et ce qui fait que le reste, bah, ça sera la fin, quoi. C'est-à-dire que Wano va durer 5 ans, en tout. Ah oui. Mais Wano, apparemment, c'est vraiment l'arc. C'est un voyage, quoi. L'arc cosmique, c'est vraiment le début de la fin. C'est le dernier arc avant le final, quoi. Avant une avancée un arc finale. Ça fait 5 ans, compliqué quand même. Ouais, mais apparemment, ouais, après, ça fait plutôt 3 ans après. Après, il se passe pas les mêmes bails, mais quand même, c'est... Oui, oui, bien sûr. Ils ont aussi dit... Alors là, cette fois, on va passer par rapport aux news qui sont sorties aujourd'hui. Donc ça, c'est sorti aujourd'hui par le directeur de la Toei, qui est l'une des rares personnes qui connaît ce qu'est le One Piece, donc qui est en relation vraiment directe avec Oda, et donc c'est de lui qui tient toutes ces informations. Il aurait dit, effectivement, que selon Oda... On s'en doute, mais Oda l'a dit que la fin de One Piece, ça sera clairement beaucoup, beaucoup plus dramatique que la mort de Ace.
on s'en doute un petit peu que la fin sera forcément... Enfin, il sera... Alors, faut prendre ça avec des pincettes. Il est déjà en PLS, lui. Faut prendre ça avec des pincettes, parce que Oda a aussi dit quelques mois auparavant qu'il veut que One Piece, ça finisse sur un grand festin de joie. Il veut que ça finisse sur une note positive. Donc, tu vois, ça va... Ça va être un petit peu... Non, mais je sais pas s'il y aura un mort, mais... mais en tout cas, il y aura des gros dramas, des gros dramas. T'imagines, Oda il arrive à la dernière page, en fait le fumeur. C'est... Ouais, c'est... Oh, fin. C'était la fête, mais genre la réalité quoi. Et justement. C'est terrible. Faire. Non mais ça serait terrible. Calmez-vous. Il y aura un banquet, hein. Un banquet de mort quoi. Enfin, genre. Voilà, bon. C'est vrai. Autre chose qui ont été dit, effectivement, c'est que. Alors, il y a l'orthographe finale de Laftel est sortie, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant c'était un terme qui avait pas un nom très concret, mais là le vrai nom est sorti, c'est Laftel, donc L-A-U-G-H-T-A-L-E, donc on pourrait traduire ça par des récits de rire. Et apparemment ce nom aura une grande signification par rapport à ce qu'est le One Piece, et il a aussi confirmé que Laftel, du coup, serait un lieu important par rapport au One Piece, mais que ça ne veut pas forcément dire que le One Piece s'y trouve. Voilà, Laftel comme... Ah oui, non, Laftel TE2L, exactement, Zodiac. Exactement. Ils ont... le directeur de la Toei, toujours, a annoncé que le casting... formidable qu'il y a eu dans Stampede, ça serait du pipi de chien par rapport au casting du dernier arc de One Piece, donc ça rassemblerait encore beaucoup plus de monde que ce qu'il y a eu dans Stampede. Dernière chose qu'ils ont teasé, c'est que fin décembre va sortir, enfin non pas fin décembre, mais en décembre vont sortir en épisode des épisodes colossaux en termes d'animation qui surpasserait largement le combat Luffy Katakuri. Ça va être disponible en décembre, et apparemment ils ont taffé de ouf pour la réalisation de ces épisodes. Mais c'est... du coup Moquet, tu sais quel épisode ce sera toi? Ah oui, moi je sais. Tu sais le contenu? Non mais je veux dire, tu sais le contenu, mais est-ce que ça s'y prête, ou est-ce que c'est toi, est-ce que c'est pour une bonne chose, je veux dire? Bah le truc c'est que oui, parce que disons que pour l'instant, Wano, il détaille vraiment tout. Enfin, ils embellissent. Alors, des fois, ça ralentit un peu trop, mais je trouve que souvent, les rajouts qu'ils font, ça embellit vraiment les choses. Et du coup, je me dis, déjà, qu'en manga, ce qui va arriver, c'était quand même super cool et tout. Mais alors, s'ils rallongent ça et s'ils font durer le plaisir et qu'en plus, il y a une animation de taré derrière, j'ai super hâte de voir. Hein. Parce que justement, en manga, j'étais frustré parce que c'était assez court, quoi, au final. Mais là. Là, ça fait du bien, quoi. Vincent, un avis, peut-être ? Non, pas pour l'instant. Moi, je préfère pas avoir. Moi, je préfère me laisser découvrir, en fait, le truc. J'ai pas envie de faire des théories. Moi, je profite. Alors, je regarde depuis... J'ai juste envie de profiter. Il reste 5 ans. C'est bon. Ça fait tellement bizarre de se dire ça, quoi. Il reste 5 ans, quoi. Après, tu sais, ça peut toujours être un peu plus long. Regarde. Oui, tu sais, c'est sûr. Comme t'as plein de trucs, bah... avec le live qu'on va parler du coup sur Yu-Gi-Oh, c'est pareil, c'est Yu-Gi-Oh, tu te dis toujours, tous les 3 ans quand t'as une nouvelle mécanique, tu te dis quand est-ce que ça va s'arrêter, et ça s'arrête jamais. Oui, non mais oui, c'est sûr, mais en fait, le truc qui me fait flipper, c'est que ça a vraiment été confirmé 3 fois, quoi, tu vois, au début, c'est vraiment les mecs, ils appuient vraiment sur l'idée que il est dans cette optique de, dans ce cadre-là de 5 ans, ça sera la fin. Enfin, en tout cas, dans son plan de l'histoire, dans sa pensée de l'histoire, c'est vraiment la fin, quoi. 2025, une année cruelle. Une année, oui. Bon, ça sera peut-être pas la fin, mais en tout cas, ça sera terrible. Oui. Alors, attends. Merde. Oh, je suis con. J'avais mis des images. J'ai bien. Que penses-tu? Pendant que Moquet règle ses petits trucs. Je pense que mon casse. Moi, mais pas. Putain, développe. Tu es dans une démission ici. J'ai dit, on est sérieux. Moi, le truc, c'est que j'en sais rien. Je suis au début de Wano. Qu'est-ce que tu veux que je dise à part le fait que Jeez, ça va finir bientôt. Et que littéralement, le truc que je viens de commencer, c'est littéralement l'un des plus gros arcs de tout le manga. Du coup, je suis là. Bon. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que
j'ai commencé One Piece il y a un an et ça se finit en 5. Bon, pas très long en fait. Ça, ça j'avoue. J'avoue. Ça, ça sera une petite aventure, nous ça a été toute notre vie. C'est. Non, enfin toi, Moquette un peu moins, mais quand même. Bah, ça compte, hein. Et Vincent, je sais pas quand est-ce qu'il a commencé One Piece. Regarde One Piece. Ah oui, alors, c'est vrai. Le manga 2012 et l'animé 2011. Saut des scannés. Ce qui est assez tard finalement, mais c'est un moment où je suis enfin intéressé au manga en fait. Avant, j'en avais rien à faire, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Bah, moi. Ah oui, et puis autre chose aussi, mais ça demande confirmation, mais ils ont l'intention, en tout cas, pas avant que Wano se termine en anime, mais ils ont l'intention d'adapter en anime les petites histoires qui montrent à chaque fois ce que sont devenus les personnages, enfin, toutes les mini-histoires, apparemment, c'est en projet d'être adapté en anime. Yes. C'est stylé ça, par contre. Ouais. Mais ça fait peur parce qu'à mon avis, c'est une volonté de leur part de que à mon avis, il y aura plein de personnages qui vont se retrouver vers la fin et que du coup, ils ont envie de montrer aux gens qui suivent que l'anime ce qu'ils sont devenus quoi. Pour histoire qu'ils soient pas trop paumés quoi. C'est terrible. Oui, on va avoir des OAV ou des épisodes concrets, je sais pas, mais en tout cas, ils veulent l'adapter. Ils veulent l'adapter. Merde. Attends, il est où le... Très bien. Oh merde, j'ai l'image de... On voit la tête de Jill, c'est terrible. Attendez. Quoi ? Mais non, mais parce que sur le layout, j'ai mis un screen de karaté, mais avec Jill dessus, et en fait, Jill... Pourquoi karaté ? Les analyses sur les lunettes. Ah là, c'est bon. Bah oui. Sont en vert. C'est... Sont en vert, sans transition. On va mentir. Non, c'est qu'en fait, c'est séparé en plusieurs parties. L'émission, il y a des parties news et tout, et après, des parties sujets. Je n'ai pas menti, hein, j'ai toujours dit ça sur l'émission, il y a des parties news. C'est vrai. C'est l'essentiel. Mais oui, on va bien évidemment parler de... C'est l'émission, voilà, oui. C'est l'émission. Si vous suiviez, vous sauriez. On va donc, du coup, parler du phénomène Yu-Gi-Oh! Qui, mine de rien, est un phénomène... Alors, j'allais pas dire obscur, mais en tout cas... C'est un petit peu brouillardesque pour nous en France. Moi, c'est un truc maintenant, que alors je c'est devenu une niche, hein, je pense que je vais apprendre pas mal de choses. C'est assez obscur, je trouve. C'est moi j'ai du mal à me rendre compte comment déjà Yu-Gi-Oh peut être aussi peu présent dans les télévisions françaises, dans le mood en général. Enfin genre mais je vois enfin. À part quelques youtubeurs et tout machin ou des petits événements dans des conventions, je vois jamais de trucs vraiment mis en avant Yu-Gi-Oh! Et pourtant, les cartes continuent de sortir chez nous. Il y a encore un vrai business qui se fait dedans. Je trouve ça ouf quand même. Vincent, c'est à nous quelque part. C'est à nous. Ouais. Moi je mais tant mieux hein, tu vois, heureusement j'ai envie de dire, mais est-ce que vous savez d'où ça vient cet engouement, est-ce qu'il y a vraiment un marché qui continue pour oui, les cartes en soi, parce que le truc c'est que tu vois en France, que ce soit Pokémon ou Yu-Gi-Oh, le jeu de cartes a eu son âge d'or et il est passé depuis longtemps selon moi en tout cas, autant pour les deux, sauf que là où Pokémon des gens continuent d'ouvrir des cartes et tout, car des gens comme moi et Vincent avons lancé cette petite mode sur YouTube, on va pas se mentir. Oh, voilà. Allez, arrêtez. Des gens continuent d'ouvrir des cartes et tout, tu vois, pour le plaisir de la collection avant tout, je suppose, ou parce qu'on leur envoie, parce qu'ils ont des partenariats, j'en sais rien, bon, bref. Du coup, il y a un intérêt pour les cartes quand même qui se créent et tout, parce que les gosses voient ça, les gosses veulent des cartes, tu vois, normal, ils vont sur oui, YouTube, bah oui, ça, oui. Ça continue de se vendre. Et là où pour Pokémon, je pense qu'il y a un aspect collection et il y a peut-être des gens qui jouent encore au TCG français, ça pour le coup je n'y connais vraiment pas. Autant pour Yu-Gi-Oh! Avant c'était vraiment plus populaire, maintenant en fait le truc c'est que Yu-Gi-Oh! Contrairement à Pokémon tu vois ils vont à chaque fois ajouter des types ou oui. Des trucs, enfin, ça change pas grand chose tu vois ce oui, que oui. Je veux dire. Yu-Gi-Oh! À chaque fois le jeu rechange tous les 3 ans littéralement. Mmh. Oui, 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 qui ça donc, suit. Tu peux perdre des gens, tu peux en intéresser des nouveaux, en réintéresser des anciens, etc. Jabir qui est un bon exemple ici présent même. Enfin, tu vois, il y a plein de mécaniques différentes qui fait que le jeu à chaque fois se renouvelle. Et en fait, bah, depuis quelques années en France, le jeu se, enfin,
l'intérêt pour les cartes, pour la collection, ne se fait plus, ou alors de rares personnes, comme peut-être moi, mais vraiment, enfin, tu oui, vas... Mais... C'est en fait, moi, c'est pas le... Cartes, c'est... Parce oui, qu'après, oui. tu peux y jouer, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais en fait, moi, ce que je trouve... Tout ce, que je trouve tout ce qui est animé et tout... Oui. Oui, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un vrai... En France, il y a un vrai public, il y a une vraie communauté de joueurs, mais, mais l'aspect de l'animé, d'où est tiré tout ça et tout machin, c'est mort et non, c'est pas de... Il n'y a ça, pas de business sur ça. Il y en a que très peu. Ouais. Il y en a d'accord. Que... Non, oui, c'est bien pour ça. Enfin, tu te doutes, c'est pour ça que les VF sont devenus catastrophiques depuis des années et que Vrenz n'a même plus le droit à une VF, tu vois. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est, le truc, c'est que... comme je disais, le jeu de cartes continue à intéresser les gens parce qu'il y a l'aspect compétitif oui, et bien parce sûr. Que du coup il y a les joueurs qui sont implémentés dedans. L'animé ça n'intéresse plus les gens parce qu'en plus les gens quand ils vont dans le compétitif n'ont plus vraiment d'intérêt pour l'animé, il n'y a qu'à voir Vincent d'ailleurs. Donc tu vois c'est un peu ça aussi, tu vois, du coup vraiment le terrain des cartes gagne vraiment enfin en tout cas ces dernières années a vraiment gagné en notoriété si on peut dire. Là où l'anime a tout perdu quasiment, et il y a très très peu de gens qui continuent. Ouais. Parce que pareillement, à chaque fois tu changes de héros, tu changes de jeu, tu changes de, enfin, tu changes d'univers. Il y a peut-être ça aussi qui joue, je sais pas. Mais du coup non, oui, l'anime a clairement baissé en popularité. En France, oui. En France, c'est mort l'anime. Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est... Mais littéralement, en fait, si tu veux. C'est la petite flamme de All Might, tu vois, genre. Putain, mais. Quel enfer. Mais genre. Si tu veux, en tout cas, de mon point de vue, tu vois. Le truc que ça me donne, c'est que, genre, vraiment, c'est. Yu-Gi-Oh! À la base, c'était vraiment, genre, c'était connu parce que l'anime existait, parce que TM existait, littéralement. Au fil des années, en fait. Le jeu s'est propagé chez les gens et les gens ont priorisé le jeu et puis après quand tu as vu que l'anime littéralement ne parlait plus du tout de ceux qu'ils ont connus avant mais ils sont juste ils ont continué à intéresser ça, sur le jeu en fait ils ont juste fait on s'en fout de l'anime en fait parce que je pense que la communauté de Yu-Gi-Oh elle a pas grandi sur des générations en fait, c'est juste la même qui a juste fait passer plus le jeu de cartes que l'animé parce qu'ils s'en foutent en fait. Non, mais, c'est que c'est vraiment considéré comme un jeu quoi, comme des versions Pokémon, des trucs et tout, des trucs qui évoluent et c'est là-dessus qu'ils se basent et qui intéresse alors que l'animé c'est un bonus quoi mais qui ne prend pas. Le meilleur exemple en fait de ça c'est que Duel Links qui a été littéralement créé pour ça, genre priorise 100 fois plus le fait que c'est un jeu à part entière et que tu t'intéresses même plus aux cartes et tout. Je veux dire, il y a des archétypes que personne ne connaît dans l'anime, tu vois, techniquement, genre ils savent même pas que ça existe, mais ils les voient, ils s'y intéressent et ils voient que c'est vachement plus intéressant que genre l'anime ou des trucs comme ça. Ils priorisent vraiment le fait que le jeu en fait plus qu'autre chose. Et maintenant, vraiment, ils font que ça. L'animé, c'est comme l'a dit Gigi tout à l'heure, c'est secondaire. Hein. C'est vraiment au bas du bas. Hein. Et encore, précisons que c'est que chez nous. Que c'est vraiment, c'est plus Mais aux US, ça marche ou pas Japon, aux États-Unis, ça marche encore très bien. Hein. Vraiment bien. Et au Japon, encore plus. Au Japon, c'est légendaire encore. Oui, au Japon, ça reste un gros hit comme les gros shonen souvent, tu vois dans les chartres, tu vois Détective Conan et Yu-Gi-Oh! Est pas loin derrière. Donc, c'est pour te dire. Quoi. C'est genre, au Japon, Vrenz est bien. Donc, bon. Oui, au Japon, on reste top 10 de l'année, donc c'est un moment. Faut poser des questions. On sait que c'est un pays de. Mais c'est marrant parce que c'est. Par rapport à l'anime, parce que bon, je connais très peu, alors c'est vrai que j'ai pas posé les bases pour ceux qui nous écoutent. Moi, je n'ai que regardé et lu Yu-Gi-Oh! La première génération. Je suis au début de GX. Le reste, c'est l'obscurité la plus totale. Alors, j'ai un peu commencé, j'avais commencé fut un temps Arc 5 et Vrenz, mais j'ai vraiment très vite lâché. C'est vraiment plus un univers qui me parle. Et le truc, c'est que de ce que vous me disiez, ce qui est quand même terrible, c'est que l'histoire en tant que telle, enfin, en tout cas, si on parle
Dark Five Reigns ou même de, je crois, ses Exile, qui a des grosses lacunes au niveau de l'histoire, que je crois, Gigi, tu me disais que les studios avaient eu des gros problèmes, et ce qui faisait qu'ils étaient obligés d'amputer des parties de l'histoire et tout. C'est quand même fou, en fait, que t'as l'impression, dans la tête des Japonais, c'est vraiment la licence le principal, c'est même pas vraiment ce que ça raconte, c'est juste littéralement comme ce que font les scénarios, enfin les... Ce que mettent en scène les séries, c'est juste de l'entertainment, en fait. C'est juste, c'est trop stylé de voir des cartes qui prennent vite. T'as l'impression que c'est un peu ça, enfin que c'est pour ça que la sauce prend autant au Japon, quoi. Je pense que ouais, il y a de ça, et il y a aussi le fait que de plus en plus ils ont priorisé le fait de vraiment créer des duels qui sont plus ou moins méta. Ce qui fait que les gens maintenant, ils ont vraiment évolué sur le fait de jouer correctement entre guillemets au jeu. Et voir en animé, ça donne encore plus d'engouement dans le fait de « Oh putain, il joue vraiment cet archétype-là comme ça, il faut le jouer et tout. » Et que voilà, et ça te met vraiment dans le truc quand tu regardes en général. Oui, et après, je pense qu'au Japon, ça marche encore mieux parce que genre ils sont vraiment dedans, quoi. Donc je sais pas si ça joue vraiment ça, mais enfin je sais que ça joue sur certaines personnes. Je me dis parce que genre Vrains, c'est littéralement que du méta et tout le reste c'est de la merde. Oui, Lin's Infernal, je regarde Gintama, je suis un l'épisode 249, c'est la hype. Oui, excusez-moi. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Super, j'allais dire bravo. Mais je sais pas, non, moi, c'est ma faute, je l'ai coupé, c'est ma faute. Mais non, oui, au Japon, je pense que c'est pas dû que à ça, parce que je pense que c'est un truc que vous connaissez, c'est juste... on sait que les Japonais sont très friands de juste... Tu pars d'un principe un peu obscur, en l'occurrence, jouer aux cartes, et t'en fais vraiment un univers, une attraction, etc. Et tout. Et je pense que le fait est que, malgré les critiques qu'on peut en dire et tout, moi le premier, tu vois, même sur Reigns ou des trucs comme ça, le fait est qu'ils arrivent très bien à le faire. Ils arrivent à le faire, le rendre intéressant, faire de l'entertainment avec, créer une histoire avec, développer des persos, tu vois. Donc, ils arrivent à bien le faire, tu vois. Ils ont une formule qui marche et tout. Et du coup, voilà, donc on se dit, tu vois, ça devient une habitude et c'est ce qui plaît, ça séduit et voilà. Alors, il y a Joey Kun qui demande, est-ce qu'avec le temps et la popularité, l'histoire globale de Yu-Gi-Oh! Est épuisée ou pas? N'hésitez pas, le chat, à réagir, bien évidemment, à ce qu'on dit, à poser des questions. Ça dépend ce que t'entends par l'histoire globale, parce que chaque génération a sa propre histoire. Oui, c'est ça. De ce que vous me disiez, en fait, les trois premières générations, je crois, appartiennent à un même univers. Genre, il y a des références et tout. Et après, c'est plus le cas, c'est ça? Ouais. En gros, oui. En partie. Parce que je crois qu'il y avait Alexia dans la dernière génération, je sais plus. C'est pas certain. Mais en gros, si tu veux, il y a deux trilogies du Yu-Gi-Oh! La première, DM, GX, 5D. Ah oui, d'accord, ok. Et la deuxième, Zexal, Arc 5 et Vrains. Et en l'occurrence, on sait que les trois premières sont dans le même univers. Et les trois dernières, on sait pas. Donc on sait qu'Arc 5 est dans un univers alternatif. Et Vrains et Zexal, on sait pas, c'est probablement un autre univers ou pareil, un truc alternatif, on sait pas. Donc, voilà. Ou plutôt, est-ce que la qualité est en baisse suivant chaque histoire ou pas? Oui, je pense que tu parles de la qualité d'écriture. Ça dépend de chaque saison en vérité. C'est genre Archive et overall, clairement non. Clairement, je veux dire. Tu prends Vrains par exemple, personnellement je suis premier à dire que c'est mal écrit, tu vois, mais tu prends la génération d'avant qui est Arc 5 et tu te dis que Yu-Gi-Oh avait déjà 15 ans au moment d'écrire Arc 5. Arc 5, ça dépasse tout ce que t'as vu en termes d'écriture, c'est bien mieux géré, sauf la fin, mais en termes de scénario, en termes de développement de personnages, en termes d'écriture de duel aussi, en termes de beaucoup de choses, c'est la génération la plus aboutie, c'est pour ça que c'est ma préférée, enfin après GX. C'est que c'est pour moi, objectivement, c'est celle qui est la plus aboutie malgré les résultats, tu vois. Et je me dis, justement, c'est ça qui est très fort, c'est que le studio nous montre que malgré les problèmes qu'il a techniquement parlant, il arrive quand même à te créer des choses après toutes ces années et tout, tu vois. Et il le fait vraiment bien, encore une fois. Et c'est ça qui est admirable. Franchement, Arfave, ils avaient bien joué parce qu'ils avaient vraiment... pris beaucoup de points qui ont existé dans le passé de chaque animé, et ils ont aussi vraiment implémenté le nouvel aspect dans ça, et franchement c'était le truc qui se globalisait le mieux en fait. Mais les autres, Zexal et Vrains en tout cas, ces deux là c'est
vraiment tout va bien, tout va mal, quoi. C'est c'est des choses différentes. Après, Zexal est pas mal écrit en soi. Mais bon, c'est... c'est ennuyeux, en fait. C'est... Ça dépend, ça, la première ça moitié, regarde, mais la seconde est beaucoup mieux, mais il faut que tu tiennes la première moitié, quoi. Ouais, ça, même, enfin, genre, avec la lenteur et tout, franchement, l'écriture, elle va lentement. Même avec la deuxième partie, ça va quand même plutôt lentement. Surtout quand tu tapes la première, en fait. Mais du coup, pour ça... Mais genre, Vrains, bah, c'est juste un... Ne regardez pas Vrains, quoi. Ah, mais surtout pas. Genre, t'as même pas fini la saison, hein, j'allais dire. Ouais, bah il est là, le problème. Non, mais... T'es toujours plus avancé que moi. Hein. Oui, bon. T'es épisode 1, c'est ça épisode 9. Non, en fait... 0. En fait, en 2017, quand Gigi m'en avait parlé, j'ai regardé les deux premiers épisodes. J'ai fait ça mon nuit, et j'ai pas eu le courage de regarder la suite. Et je me suis dit, bon, je vais voir ce que Gigi en pense, et presque pas toutes les semaines, mais tous les mois, je lui demandais du coup ça en est où. Il me dit voilà, ça avance pas. Je fais ça avance quand en fait. Aïe. Et là on arrive. Donc je me suis jamais mis, je me suis dit bon, si un jour ça se lance, au moins ça va. C'est peut-être le coup de regarder les premiers épisodes, même s'ils sont un peu chiants, pour enfin avoir quelque chose derrière. Mais s'il y a rien, bah les premiers épisodes sont les meilleurs, donc tu peux. Oh la vache, c'est le problème. Quoi, il y a le problème, c'est pour ça. Ah, je me souviens, ça c'était, je me souviens, ouais, j'ai maté les 10 premiers, c'était pas bon, c'était ouais, ok, bon. Très bien, ouais, si c'est les meilleurs, ouais. Putain, c'est un peu terrible. Bah disons que le 44, je crois que c'est le 44 est un chef d'œuvre et qu'ensuite, bah, la descendante en fait. Aïe. C'est juste l'enfer. C'est fait. Terrible. Et alors, moi j'aurais du coup une question par rapport à vos préférences. Est-ce que une écriture comme ça, ça vous va? C'est-à-dire que bah vraiment chaque génération est littéralement découpée du reste, ou est-ce que vous préféreriez qu'il y ait une sorte de continuité sans qu'il y en ait de trop? Moi le seul exemple qui me vient en tête c'est Digimon avec les deux premières générations, en mode t'as la première génération et t'as la génération 2, c'est des nouveaux héros, mais t'as quand même des références à ceux d'avant parce que c'est les senpai et parce que c'est eux qui ont entre guillemets parcouru le délire avant les gens, quoi, avant les nouveaux. Bah, y a un peu ça avec tu le sais, ok, y a un peu ça avec GX déjà. C'est pas de la même manière, hein, oui. Mais t'as comme des petites rêves par-ci par-là quand même. Ouais. T'as ça dans l'idée. Mais est-ce que j'aurais préféré? Bah honnêtement, oui. Je te cache pas que oui. Enfin, c'est aussi un point qui me gêne dans Exile et dans Rise, parce que j'adore, tu vois, voir des références. Je suis pas comme Jabir, être un nostalfag et tout, tu vois. Mais j'adore avoir des références et tout au truc du passé et tout. Je me dis putain, enfin, j'aime avoir de la continuité, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce démo aussi. Et le fait est que quand on l'a pas, je me dis putain, c'est un peu dommage. Après, je suis habitué, ça me gêne moins. Mais tu vois, c'est aussi ça qui me ferait. Et c'est aussi un rêve de base que j'ai, du coup, et voilà. Qui fait que j'aimerais voir les héros réunis, tu vois, juste le temps d'un film ou d'un. Non, mais puis ça peut être des trucs très très succincts, tu vois, genre je sais pas, dans Vrains il y aurait un personnage qui utilise des pouvoirs des ténèbres, et puis sans jamais vraiment montrer ce qu'il en est, il pourrait citer un petit peu Zork ou des trucs, tu vois, mais juste en les citant, tu vois, sans forcément entrer dans les détails. Ça pourrait être des rêves comme après, ça, tu vois. Oui, il y a des dans ce cas-là, il y a des références dans l'écriture, mais jamais officiel, si tu veux. Enfin, genre, c'est un espèce de clin d'œil plus qu'une référence complète, tu vois. Ouais. Okay. Genre, enfin, un exemple tout con, mais dans Vrains, par exemple, le dernier duel de Vrains, pour beaucoup dans la commu, il a fait penser au duel à Thème contre Yugi, tu vois, parce que dans l'écriture, d'accord, il est très similaire. Oui, okay, ouais. Un autre truc dans Vrains, par exemple, tu as un moment, tu sais, bon, vous connaissez un peu l'univers de Vrains, il y a des mecs avec des avatars et tout un peu partout. À un moment, il y a un avatar d'un mec dans Vrains, c'est Aqua Dauphin dans GX. Donc, du coup, tout le monde s'est dit putain, regardez le clin d'œil et tout, tu vois. Mais en soi, c'est juste un avatar, tu vois. C'est juste la carte. Tu peux difficilement prendre ça comme continuité, c'est un clin d'œil, quoi. Moi j'aurais une question, parce que voilà, moi je suis complètement ingénu, enfin pas totalement, mais je connais
quand tu vois la, quand tu prends la proportion, je connais pas grand chose au final. Est-ce que il y a des générations où on a un petit peu, comment dire, on a des l'historique des créations des cartes, un peu comme parce que moi c'est un truc qui m'avait vraiment beaucoup plu dans DM, le fait que on te prend dans le désordre, en mode on te montre d'abord qu'il existe un jeu de cartes, et puis en fait plus t'avances dans l'histoire, plus tu remontes dans le passé, tu te rends compte que ah ouais mais non, en fait c'est quelqu'un qui a trouvé des plaques et tout, mais en fait c'était des jeux et tout machin. Est-ce que les cartes ont des histoires, ont des origines? Ouais, voilà, des trucs comme ça. Dans GX, oui. Tu verras en saison 2, Moquette, mais dans GX, oui. Dans 5D, il y a une histoire comme ça. C'est... Enfin, oui, non, non, oui, dans 5D complètement, j'avais oublié juste les 5 dragons. Oui, dans 5D aussi. Dans Zexal, techniquement aussi, les méchants ont ça. Dans R5, c'est le cas aussi. Et dans Vrains, non. D'accord. Donc, dans Vrains, ils ont juste dit non, on s'en fout en fait, on va juste mettre le jeu. À moins qu'il y en ait dans le chat qui ait vu Vrains, c'est peut-être corrigez-moi, mais j'ai pas su... dans Vrains, la seule origine qu'on a sur un deck, c'est juste ils l'ont trouvé dans un labyrinthe et basta. Ah. On a trouvé, il traînait là. C'était un loup. C'est des choses qui arrivent. Et les Ignis arrivent à créer des cartes, du coup ils ont leurs propres cartes en gros. Et voilà, enfin c'est pas vraiment une origine, donc du coup je le compte pas. C'est très mal. Mais sinon en général oui Moquette, chaque au moins un dueliste ou quelques cartes vraiment représentatives ont des origines bien précises. Oui, c'est un peu, très grossièrement, un peu comme Pokémon où chaque jeu t'as une nouvelle mécanique qui est une nouvelle feature, et c'est quand même cette nouvelle feature est un peu un des points centraux du scénario. Ouais, c'est un peu cette idée. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que genre le meilleur exemple que j'ai, c'est R5. C'est le seul que tu peux citer. Ouais. Parce que genre clairement en fait il y a cette espèce d'aspect que genre t'as 4 cartes qui font que genre elles font une autre carte en fait globalement. Ouais. Mais genre c'est dans l'idée c'est genre vraiment c'est un archétype à lui-même, tu vois. Et toute l'histoire se joue de cet archétype. Ouais. C'est vrai que dans GX il y a pas de grandes nouvelles règles. T'as encore rien vu, mais oui, il y a la fusion, oui, c'est la base. Non, il parlait de méthode, je pense. Non, mais oui, non, mais je veux dire, nouvelle façon de jouer, je veux dire, une nouvelle règle. Ah oui, bah dans chaque version, t'as une nouvelle façon de jouer, dans chaque version. Tu veux dans GX. Quoi? Bah GX, c'est la fusion, et la fusion, c'était... Ah oui, la fusion, elle était déjà dans DM, c'est vrai. Oui. Mais le truc, c'est que dans DM, ils s'en servent quasiment pas, et GX, c'est GX, c'était l'apogée de la fusion, parce qu'ils ont vraiment fait. Dans GX, ils font plus que l'utiliser, en fait. Au début, ils te font juste, on te dit, bon, bah, il faut utiliser la polymérisation. Ah ouais, t'as carrément la fusion. Fais gaffe, Vincent. Il connaît pas, Moquette, encore. Warning. T'as des évolutions par rapport à ça. Oui, ça, par contre, oui, complètement. La fusion, c'est pas... En l'occurrence, dans GX, la fusion n'est pas juste une méthode d'invocation, c'est littéralement c'est une thématique. C'est une stratégie, hein. Ouais. Parce que genre dans DM, la fusion, les fusions sont zéro, quoi. À part deux ou trois, vite fait, mais c'est pratiquement inexistant dans DM. Alors, c'est juste pour montrer une nouvelle carte. Là où dans ouais, GX, voilà, c'est dans GX, c'est la méthode phare, et c'est vraiment... Enfin, ouais. Tu verras à la fin que la fusion, c'est pas juste une carte, c'est aussi la symbolique derrière. Ouais. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup. D'accord. Et après GX, chaque histoire raconte genre une nouvelle manière de jouer globalement. D'accord. Moi, je vais vous poser une autre question. Alors, à la base, j'étais un peu parti sur la question, mais je me rends compte que c'est con et que ça ne sert à rien de la poser. C'est comment avez-vous découvert Yu-Gi-Oh? Je pense que on a tous exactement la même réponse parce qu'on a quand même tous relativement le même âge. Moi, j'aurais plutôt une autre question, c'est qu'est-ce qui vous a fait continuer véritablement Yu-Gi-Oh? Parce que justement, je trouve, enfin,
ce qui pourrait être un piège du fait de que vraiment chaque génération soit différente, c'est que tu pourrais te dire bon bah ok, celle d'après enfin ça va être autre chose, ça me j'ai pas envie de redémarrer un autre truc, j'ai trop aimé mon héros d'avant, j'ai pas envie de passer sur un autre truc et tout. Qu'est-ce qui vous a incité à continuer? Est-ce que vous avez continué à suivre sur la télé qui enchaînait la saison d'après, ou est-ce qu'il y a via des retours de potes les cartes à vendre? Alors pour moi globalement c'était surtout parce que genre Gigi m'avait un peu intéressé sur R5 et je me suis dit ouais pourquoi pas, j'étais mais du coup t'avais arrêté quand? J'ai arrêté techniquement, enfin j'ai regardé Zexal du coup parce que genre oui, mais t'avais dit, pas ouais, ça... avant ça bah... Parce que du coup, la question, c'est un peu comment quand t'as arrêté et comment t'as repris. Oui, voilà. Bah, techniquement, j'ai arrêté à GX. Hein. À GX, c'était stop, quoi. Parce que, enfin, c'était plus genre... J'ai arrêté parce que j'ai grandi et je m'intéressais plus à Yu-Gi-Oh, quoi, sur le tas. Ouais. Genre, puis après, ça a été sur le retour, justement, quand, genre... J'ai entendu parler, ouais, c'est que ça, c'est un peu dans la même idée que Yugi à thème, ça peut être fun et tout. Donc, du coup, j'ai essayé de voir un peu. Après, il y a eu R5 où là, Gigi justement me l'a conseillé, du coup. Et de fil en aiguille, j'ai commencé, surtout, ça a été surtout avec Duel Links où d'un coup, je me suis dit, ok, en fait, le jeu est super intéressant, du coup, je vais continuer à m'y intéresser, quoi. Mais. Mais sinon, franchement. Je sais pas, en tout cas pour moi, ce qui genre, m'intéresse à continuer l'animé, surtout quand... En fait, vraiment, le seul truc qui m'intéresse à continuer l'animé, c'est que l'histoire, elle est potable avec les cartes qu'ils utilisent. Parce que Vrains, le peu que j'ai vu, c'était vraiment bof. Arc 5, dans le contraire, c'était vraiment stylé comment ils ont utilisé chaque carte. Du coup, c'est moins le fait de est-ce que je suis chaud de voir un nouveau perso qui va arriver et que c'est pas lié aux anciens ou quoi, c'est plus qu'est-ce qu'ils vont me raconter et est-ce que ça va être bien raconté, et si c'est ouais. Le cas je suis chaud parce que j'aime bien le jeu à la base. Du coup et toi Draco, du coup qu'est-ce qui t'a fait replonger, ou alors à la limite peut-être que tu n'as jamais quitté Yu-Gi-Oh et que depuis le début tu as continué, mais Alors, en fait moi il y a vraiment plein de trucs en fait, parce que Yona ça va être que l'animé, d'autres... moi c'est à la fois l'animé, le jeu vidéo et le jeu de cartes, il y a vraiment une combinaison des trois. Okay. C'est vrai que c'est des jeux. Parce que tout à l'heure tu as dit me poser la question de comment on est découvert Yu-Gi-Oh, c'est quasiment tous la même, bah j'allais te répondre pas vraiment, parce que justement moi j'ai pas trop connu Yu-Gi-Oh avec DM. Ah ouais, dans le sens où, bah parce qu'en fait moi il y en a beaucoup qui avaient souvent des chaînes comme tout ce qui était Canal J, où ça passait souvent. Moi, j'avais que les chaînes en clair, donc du coup, bah, il y avait quoi sur TF1? T'avais Pokémon. Ah oui, d'accord. Digimon, mais Yu-Gi-Oh était, ils avaient pas les droits en fait. Ah oui, oui, donc, ok. Moi, Yu-Gi-Oh, j'ai pas totalement au début commencé. Enfin, en fait, DM, j'ai un peu connu, mais c'est surtout quand j'allais des fois, par exemple, je sais pas, chez des gens quand je suis invité. Ouais, ok. Bien dans la cour de récré, quand tu vois les gens jouer aux cartes Yu-Gi-Oh, tu vois. Donc c'est surtout ça. Et ce qui m'a fait surtout découvrir Yu-Gi-Oh, je me souviens, c'était au collège. Je sais pas si tu te rappelles ça à l'époque sur Gulli, je sais pas si c'est toujours le cas. Mais genre à partir de 10h, t'avais un truc qui s'appelait Code Aventure. Oui, ah oui, ah bah oui, Code Aventure, voilà. Bien évidemment. Et quand j'étais petit, vers 2008-2009, c'est au moment où t'avais la TNT, tu sais, qui commençait un peu à se démocratiser, chacun achetait son boîtier, tu sais, avant que ça soit intégré. Et au début, Gulli, ils avaient fait une sorte de petit marathon Pokémon. Et après, ils avaient mis GX. Ah d'accord, et là, oui. Et du coup... je m'en souviens, le samedi matin avant le tennis, je m'en souviens de GX un peu sur Code Aventure. Ah moi je me souviens très bien de GX, hein. tous les matins, pourtant j'étais un gros dormeur à l'époque, tous les matins je mettais mon réveil à 10h en mode avec du mal GX. Hein. Et du coup c'est à la fois GX qui m'a fait, pour moi c'est vraiment commencé parce que j'avais déjà quelques cartes mais j'avais quasiment rien, tu vois. C'est vraiment GX qui m'a fait démarrer. En plus, je me souviens que pour mon anniv ou pour Noël, vers 2009-2010, on m'avait offert le deck de structure zombie avec le dragon zombie aux yeux rouges. Du coup, à la fois le JCC s'est enchaîné, et après, du coup, vu que j'ai eu un PC, j'ai pu enfin regarder les épisodes de DM. Et là, du coup, vraiment, genre, je me suis fait un marathon. Hein, je me suis fait plaisir, les 180 épisodes, je les ai bouffés. Dans la vache. Il y avait ça. Mais en fait, après, il y a toujours quelque chose qui m'a maintenu. Par exemple, on m'avait aussi fait, je me souviens, une R4 dans laquelle il y avait le World Championship 2008, donc le jeu sur DS. Ah. Donc du coup, quand j'étais petite, c'est forcément quand tu regardes les cartes, c'est que ce soit d'ailleurs même Pokémon, on peut prendre le même exemple, mais c'est souvent, tu comprends rien, tu respectes même pas le jeu, quoi, t'as ton monstre, tu dis, il a 3500 attaques, je te attaque et tout.
Ça, c'est comme dans Pokémon où personne ne respecte les énergies, là c'est pareil, la personne respecte les énergies. C'est vrai que les énergies, tu respectes tellement pas, et une fois que tu comprends le jeu, t'es en mode oh merde, merde, il m'en faut plein. Mais même dans Yu-Gi-Oh! Au début, moi je balançais mes monstres, genre. Je me souviens, j'avais eu Tengen, le grand sphinx, là, le machin, je l'invoquais comme ça, moi, je m'en foutais. Ah oui! Aucun respect. On faisait la même, nous aussi. Quel enfer! Là, quoi. Moi, j'invoque ce monstre niveau 12, comment allez-vous? Et du coup, Gigi, je suppose que tu as découvert, enfin, t'as vu DM, t'as continué avec GX et après, t'as continué, non? Moi, j'ai vu, comment, j'ai découvert avec DM, oui, et avec le petit-fils de la famille d'accueil qui avait des cartes et du coup m'a un peu appris vite fait à jouer quand c'est sorti. Et du coup, j'ai vu DM en même temps quand j'étais en famille d'accueil, donc dans le désordre, j'ai pas vu tous les épisodes, etc. Mais voilà. Et quand je suis retourné de famille d'accueil, ils diffusaient GX du coup sur Gulli. Et je me suis dit, putain, je vais mater tout, tu vois. Et je sais plus trop exactement comment ça s'est fait, mais juste c'était Yu-Gi-Oh, tu vois, c'était une nouvelle aventure. Et je crois de souvenir à l'époque, ça m'avait pas spécialement dérangé que c'était pas Yu-Gi et tout. Et ça me faisait plutôt marrer, je kiffais bien et tout. Ensuite, il y a eu les saisons du Guac et la saison 3. Et j'étais là en mode, putain, c'est incroyablement bien. Et ensuite, j'ai eu Internet. Donc, pour. en fait, quand GX s'est terminé en France, 5D avait déjà commencé du coup au Japon. Et avec Flav, on a commencé à le mater en VO. Et du coup, voilà, toutes les semaines, on se donnait rendez-vous et on matait 5D et tout. Et depuis, depuis que j'ai vu Internet, j'ai jamais lâché. Et voilà. C'est beau. Un éternel. Salut Bukake 37, ça va? Ah, Greg. Le vrai? C'est fou. Le seul l'unique? Oui, c'est le seul et l'unique. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai lâché au début de Zexal, mais on compte pas. Oui, c'est la vie. C'est beau. Moi, c'était. J'ai lâché au début de Zexal. Moi, c'était assez obscur parce que, genre, DM, j'étais très très fan. Genre, je me rappelle, saison 1, saison 2 et tout, j'étais hyper content. Et bien évidemment. Noah a foutu la merde, hein. La saison a absolument foutu la merde. Tu sais que je suis très content parce que moi, dans les épisodes que j'avais en famille d'accueil, j'avais un peu de la saison 2, ouais. La saison 1 et la saison 4. Mais j'avais pas la 3. J'étais trop bien. Par contre, après, quand je suis en famille d'accueil et qu'il y avait DM sur M6, c'était Noah. Et là, je me disais, putain, ça a changé. Ah, fils bad, mec. J'avais vu GX avant ça et... Moi je me souviens, ça a été vraiment un cauchemar parce que il y avait eu, bon je sais plus trop exactement, mais il y a eu une période où j'avais un poil lâché. La fin de la saison 2, c'est les dramas absolus, t'as Marek qui défonce Mai et tout machin. Je reviens et là ils sont dans un monde virtuel et tout machin. Je suis en mode, mais attends, mais ils affrontent des pingouins et tout, mais il se passe quoi? Enfin, c'est la suite du tournoi et tout. Je comprenais absolument rien à l'époque. Je comprenais pas l'existence de filler quoi. Je savais même pas concrètement que c'était un manga à la base. Et du coup, surtout qu'en plus, c'est un filler qui tombe. Totalement, c'est débile. Tu ah vois. Ouais, non, mais c'est clair. Mais en fait le pire, c'est que la saison 3, c'est mi-Noah, mi-la finale. Ouais, ce qui fait que, comme j'ai rage quitté toute la saison 3, mais j'ai jamais compris qu'il y avait vraiment une vraie fin pour le tournoi. Et ce qui fait que quand je me suis remis à l'animé, c'était la saison 4, donc c'était les dragons, donc j'étais complètement perdu. Je ne comprenais plus ce que devenait Yu-Gi-Oh! Ce qui fait que j'ai complètement lâché. Et pendant des années, en fait, j'ai dire en fait que la vraie fin et tout, ils reviennent dans l'ancienne Égypte, tout ça. Et j'ai mis des années à m'y remettre et tout, parce qu'après ça m'intéressait plus, j'étais dans Pokémon et tout, et c'était terrible quoi. Traumatisme. Alors en fait j'étais chaud, c'était incroyable Marek et tout, puis après je me suis retrouvé à plus rien comprendre. Oui bien sûr, en plus la saison 4 elle est bien, hein, Zodiac, bien sûr, mais c'est vrai que quand j'étais petit je comprenais pas, j'avais vraiment l'impression que l'intrigue de Marek t'avais fait un time skip mais genre ultra violent. Ah ouais, mais quand tu vois, genre littéralement, l'un des meilleurs méchants de toute la série qui, genre, disparaît et tu te retrouves avec un gosse qui fait cochialer pendant longtemps. Ah, mais oui. Je me suis dit, ok, c'est ça. Quand c'est gosse, t'es là, bon. Bah non, mais moi je pensais vraiment que les 40 épisodes de la saison 3, c'était ça. C'était Noah, c'était le monde virtuel et tout. Donc je me suis dit, bah non, ça me saoule.
je me suis fait un peu voler, je me casse. Je me suis fait voler. Ouais, c'était... Mais franchement, j'ai jamais compris pourquoi ils ont placé ça en plus. Noah, c'est Vrinstier, hein, pour être franc avec vous. C'est, c'est assez con. Plutôt C'est un bon arc de Vrains. C'est compliqué. Non, déconne pas. Mais disons que le pire arc de Vrains vaut l'arc de Noah. Quoi. Ah, jeez. Alors, en gros, un arc moyen de Vrains. Oh, jeez. Et puis après il y a eu GX et du coup ça m'a beaucoup moins plu parce que enfin je me suis rendu compte en fait que ce qui me enfin non pas que j'aimais pas les cartes dans DM mais il y avait quand même ce truc qui me tenait en haleine, c'était le scénario, c'était quand même les intrigues et tout, comment ils vont faire et tout machin pour délivrer tel ou tel personnage et du coup GX j'essayais et tout machin mais il y avait trop de fois où je me disais bah ok c'est un truc c'est académique, c'est calme et enfin, je retrouvais plus du tout la même âme, mais ce qui est normal, tu vois, c'est pas la même écriture. Attends, voilà la saison 3. C'est académique. Ah, mais merci de me dire, attends l'épisode 70, tu vois, genre, merci, mais les gars, bon, pour l'instant. Non, le 102. Bon, parce que putain, mais. Putain, mais. Non, la fin de l'année, il y a des choses avant. À ce moment-là, je te jure, ça va bien se passer. Non, mais je me doute, hein, qu'il va se passer des choses, c'est sûr. Non, mais moi, tu vois, en l'occurrence, je sais qu'à l'époque de DM, j'aimais bien Yu-Gi-Oh, tu vois, mais j'étais pas super fan, mais j'aimais bien. Et en vrai, c'est GX qui m'a fait vraiment kiffer parce que l'animé et parce que pendant qu'il y avait GX, nous, au collège, on jouait aussi avec des potes au jeu de cartes, tu vois, donc il s'est vraiment créé un engouement autour du Yu-Gi-Oh autour de moi. Et c'est-à-dire que quand j'étais pas chez moi, je jouais avec des potes et tout aux jeux de cartes, etc. Donc du coup, j'étais tout le temps dedans. Et quand j'étais chez moi, je matais GX et genre c'était des hype toutes les semaines, quoi. Donc j'étais. C'est pour ça que tu vois, GX est vraiment monté ultra haut chez moi, parce que ça m'a vraiment. Enfin, c'est vraiment GX qui m'a donné cette passion. Je pense que sans j'aurais pas cette passion, ou en tout cas pas la même. Donc c'est pour ça aussi que j'aime autant. Et d'ailleurs, c'est plutôt drôle parce que, genre, vraiment, pour moi en tout cas, il m'a fallu du temps pour m'intéresser au jeu de Yu-Gi-Oh! En fait. Parce que littéralement, ce qui m'intéressait dans Yu-Gi-Oh! En général, c'était littéralement genre Atem. Depuis que j'étais petit, hein, c'était Atem. Et dès que j'entendais Atem ou quoi que ce soit là-dedans, j'étais là. Ah, mais moi, c'est mon héros. Hein. Moi, je connais pas les autres, ouais, mais je m'en fiche. Ouais, mais le truc, c'est que vraiment, genre. La finale, vraiment, ça m'a donné aucune envie de m'intéresser au jeu. J'étais juste intéressé par tout ce qui se faisait autour du jeu, en fait. Alors que c'est littéralement le truc principal de tout le jeu, ce qui est juste hilarant. Mais il m'a fallu 20 ans pour m'intéresser vraiment au jeu. Comment appelle-t-on un parc égyptien un parc à thème? Putain! Oh là là! Mon dieu! Évidemment. C'est le jeu. Le pire, c'est que j'y jouais avec mes potes, tu vois, au jeu. J'achetais des cartes comme une espèce de jeu. Ah oui, pareil. Mais j'y comprenais rien et je m'y intéressais pas. J'étais juste genre. J'étais là, ouais, bien. Mais genre, j'étais là, bon, je veux juste mon magicien des ténèbres et cassez-vous, quoi. Et du coup, genre, c'est plutôt cool. Genre, en rétrospective, maintenant, que je m'intéresse bien plus au jeu que l'animé, techniquement. De revoir ces trucs quand je les ai rematés et de me dire putain en fait c'était quand même un peu plus intéressant que ce que je pensais à l'époque. pour revenir à ce qu'on disait avant sur le fait que genre qu'est-ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est enfin dans l'animé, c'est vraiment genre en rétrospective au final c'est le jeu, tu vois, alors que oui. À l'époque je t'aurais dit s'il y a pas Atem, niquez Vorace, quoi. Comme 70% des gens actuellement. Merci. Ouais. Javier, merci. Alors ça c'est compliqué quand même. Merci Javier. Non, après moi, moi j'adore Atem. C'est vraiment juste l'univers autour que j'aime, tu vois. Et le fait que ce soit plus trop le même et tout, ça me saoule. Et en vrai, ça me saoule encore plus parce que je pense oui que je pourrais kiffer Arc 5, mais moi enfin ça m'emmerde trop de commencer une enfin de me mettre dans cette gêne et de pas
d'avoir des trous et de pas comprendre les références et tout et machin, ouais, et ce qu'il a voulu, ce qu'ils ont voulu faire et tout machin. C'est moi, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça aussi, Moquette, que je te dis de mater en l'occurrence GX, mais surtout 5D, ouais, parce que 5D GX, déjà. Ouais. Non, mais surtout 5D, parce que 5D, si tu veux mater Arc 5, ça te sera utile. Mais surtout, en dehors de ça, même si tu veux pas mater Arc 5, 5D, je sais que toi. Je sais, Moquette, que tu vas kiffer. Enfin, Jadir et toi, mais je sais que vous allez kiffer. Je vous connais peut-être assez pour savoir ça. Et je sais que. Moi, tu vois, c'est vraiment. L'histoire, vous allez vraiment kiffer. Moi, tu vois, c'est vraiment le nombre d'épisodes qui m'emmerde. Tu me dirais vraiment, ce serait des trucs des saisons de 25 épisodes ou 30 épisodes. Je voudrais bien faire l'effort, mais c'est vraiment le truc qui m'emmerde, c'est que ce soit des trucs de presque 200 épisodes à chaque fois. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué quand c'est un truc Bah je sais pas, mais je me dis chaque génération doit être un peu pareil, non ? Chaque génération, c'est à chaque fois c'est un peu plus c'est un peu moins d'épisodes que la précédente, mais ça tourne toujours autour des 150. Bah, 150. Bon, je dis ça parce que j'ai littéralement toujours maté One Piece chaque année. Ouais, mais... j'allais dire Moquette, 150 pour moi ça veut One Piece et voilà, tout va bien. Bah, non, mais c'est Moquette, pareil. Tu fais pas ce que je fais moi, tu vois. Non, moi, je fais pas ça, non. Parce que moi, genre 150 épisodes, quand tu me le dis, je fais « Ouais, c'est jouable !» Lui, tu lui dis 150 épisodes, c'est une vie, quoi. Je veux dire, il a commencé Gintama, il c'est comme si tu matais 10 fois Endgame. Bon. Dans la même journée. Prends le film bien fat 10 fois, tu vois. Genre, tu te fous dans le derrière. Tu passes ta journée à regarder Endgame, eh ben on va te faire ça pour 4 jours. Yes. Non mais oui, non mais je suis sûr que oui, non mais niveau compréhension, je suis sûr que effectivement ça dérange pas. Non, c'est juste que moi j'aime bien capter les clins d'œil, les références d'où ça découle en fait, de genre de me dire ok, dans la génération d'avant ils ont joué comme ça et maintenant ils ont décidé d'ajouter tel truc. Tu sais, c'est comme si tu me disais tu me demandes de passer de Pokémon Or et Argent à X et Y, tu vois. J'aimerais bien savoir entre les deux quelles ont été les étapes pour améliorer à chaque fois un peu plus les trucs, tu vois. C'est surtout ça en fait. Et le truc, c'est que tu vois, c'est ça qui m'avait frustré à l'époque, c'est que par exemple Jadir et Mehdi, quand ils ont commencé Arc 5, c'est très ouvert au public et tout au début, ça te vraiment t'as pas besoin de trop connaître et tout, c'est après où c'est plein de références, enfin, même au début, mais c'était moins gênant, mais ça m'avait un peu frustré parce que je me disais putain, mais ils commencent et c'est chiant parce qu'ils vont forcément moins kiffer parce qu'ils vont pas avoir les références quand ils y seront. Et c'est un peu dommage. C'est que le quart ou la moitié des références, du coup. Ouais. Et encore, même pas, tu vois. GX et Zexa, là, ça va encore. GX, tu t'en souviens pas assez. Donc, oui, ça remonte, mais les références, elles sont vraiment simples dans. Ça va. Pas pour GX. Les références de GX sont bien perchées quand même. Les références de 5D sont très faciles parce que littéralement ils sont dans le monde. Oui. Gintama. Très bien. Ah. Voilà, ah. Voilà, ok, tu prends ça comme étant un énième arc de Gintama. Tu sais, l'arc. Ah, non, mais en vrai, le pire c'est qu'il y a un arc Yu-Gi-Oh dans Gintama. Yes. Ouais, il y a un arc. Oui, il y a un arc Yu-Gi-Oh. Il y a un arc Yu-Gi-Oh dans Gintama. Il y a un arc Yu-Gi-Oh dans Gintama, mon gars. Oh putain, ça peut être trop bien. Attends, je vais comparer. Non, mais Gintama, c'est une autre stratosphère. Ils ont tout fait. Ah ouais, voilà. Non, mais Gintama, c'est un truc à part. Hein. Je m'as jamais c'est dit qu'il y avait un arc Yu-Gi-Oh. Regardez cet anime, moi j'avais main, mon gars. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'as jamais dit ça, putain? Je vais le voir. Mais je crois que j'avais mis des screens en plus. C'est tellement drôle. Non, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre, parce qu'il reste un peu de temps. Des questions dans le chat, peut-être. Des questions dans le chat, c'est vrai, parce que c'est une émission interactive, donc si jamais vous avez des... C'est vrai que là, à ce point-là, maintenant, on a fait un peu le tour, ça serait bien de savoir ce que... Vincent, des questions, peut-être. Il y a un arc Yu-Gi-Oh! De Hunter x Hunter, c'est vrai. C'est vrai aussi, oui. Ah ouais. Oui, techniquement. La parole est aux accusés. On vous demande dans le chat. Moi, je demande est-ce que Vincent a quelque chose à dire. Non, pas en ce moment, parce que, à vrai dire, moi, j'ai pas été au-delà de 5D, donc. Et même 5D, j'ai pas fini. J'ai jamais eu l'occasion
Et justement, du coup, pour... comment dire, toi, du coup, Vincent, est-ce que tu, pourquoi tu as arrêté Yu-Gi-Oh, justement? Est-ce que c'est un désintérêt? Est-ce que juste ça te saoule? Est-ce que tu t'en fous? Ou juste, t'es juste intéressé par le jeu de cartes et pas l'animé? Ou est-ce que, comme OK, tu trouves ça trop long, peut-être? Bah, je pense que si. Alors, je t'avoue que là, du coup, c'est une question à laquelle il faudrait que je passe du temps à réfléchir, mais je pense que il y a principalement le fait que déjà, en termes de, c'est déjà un truc tout bête, la diffusion. Comme je l'ai dit, tu vois, par exemple, GX, moi, ça passait le mercredi et le week-end matin, donc bah facilement, tu peux le regarder facilement. 5D, je me souviens, ça passait de temps en temps sur NTN, genre le matin, mais les horaires étaient, tu trouves, des fois chaotiques, des fois ça passait, des fois non. Donc ça fait que du coup, bah, tu peux pas t'imprégner, genre, t'as pas une sorte de rituel où tu le vois tous les jours, où du coup, tu peux t'imprégner du truc, tu vois. Moi pourtant, avec 5D sur NT1, moi, j'avais ça. Hein. Ah bah, moi, c'était la... Ça m'avait pas dérangé. Moi, alors, je sais pas comment NT1 s'est débrouillé, en tout cas, à l'époque où je regardais un peu où ça passait, mais ça avançait pas. En plus, c'était la saison 1 qui... On va pas se le cacher, elle est pas folle parce qu'elle met juste en place les trucs, ça met un peu de temps. Ça passe vraiment la saison 2, je trouve que ça devient intéressant. Enfin, après, je me suis arrêté vers la saison 3. La saison est quand même cool. Hein. Mmh. Ouais, mais je veux dire, par rapport. Enfin, en tout cas, pour avoir maté la 2 juste après, ça fait un bien fou, quoi. La saison 2, elle est violente. Voilà, c'est ça. Et il y a ça, et du coup, et puis après 5D, en plus, alors que je te dis pas de bêtises, c'est dans la période où du coup, j'avais un peu. Enfin, j'avais lâché Yu-Gi-Oh, mais j'étais vraiment beaucoup plus à l'image de ce que je faisais sur ma chaîne YouTube. En fait, j'étais quasiment que Poké. Yu-Gi, j'en faisais toujours, tu vois, mais c'était pas le truc qui me passionnait trop. Et en plus, voilà, Zexal, pareil. Ça commençait petit à petit à te sortir de la tête et tout, quoi. Ouais, et puis en plus, t'avais des trucs comme Zexal, par exemple, il n'y avait rien de trop d'intéressant. Vraiment, ce qui m'a vraiment remis dans Yu-Gi-Oh, c'est encore une fois le jeu de cartes. En vrai, quand tu as eu par exemple, tu vois, la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est en plus elle le symbole de la renaissance de Yu-Gi-Oh en moi. Tu vois, c'est le Battle Pack 2 avec la guerre des gens où tu avais les trois dieux égyptiens là. C'est vraiment là, je me suis remis au truc. D'ailleurs, j'ai une question parce que je sais que. Oui, non, si, non, je crois que je viens de répondre moi-même à ma question dans ma tête, c'est terrible. Yu-Gi-Oh, c'est est-ce que. Il me semble que ça veut dire littéralement maître du jeu, non? Ouais, oui, c'est ça. C'est roi du jeu. Ok, ok. The King of Games. Techniquement, on peut même traduire par roi des jeux parce que dans le manga de base, les premiers tomes, c'est pas du tout du. Au début, il savait pas ce qu'il voulait dire. Oui, non. Non, parce que je trouverais ça, j'aurais trouvé ça con que tu vois la série continue et que dans son titre il y a le prénom de quelqu'un qui n'apparaît jamais, mais non, c'est vraiment c'est roi du jeu, quoi. Non, c'est pour ça qu'à chaque fois Moquette, les protagonistes de chaque génération ont le You. Oui ah oui, ok, ah mais oui, ah putain, et oui c'est pour ça, putain, la vache, bah oui, c'est pour ce symbole du roi des jeux, et c'est pour ça qu'à chaque fois c'est le protag et c'est le meilleur. c'est vrai. Ça ne change jamais. Hein. D'ailleurs, mon kato, tu préfères. Et dans Arfail, c'était très drôle parce que Gigi m'a fait me rendre compte de ça quand j'ai commencé Arfail, justement. Il m'a dit regarde, surtout ça plaît. Arfail, le problème c'est qu'il n'y en a pas qu'un seul de You. Donc, c'est littéralement. Tu préfères Yu-Gi-Oh en anime ou en carte? Minuscule, je sais pas parce que, comme je disais, hein, je connais très peu de choses de Yu-Gi-Oh. Elle est un peu bizarre. Je dirais que je préfère l'animé parce que je suis un mec à histoire et disons que je vois il y a des cartes et tout. J'ai quelques-unes des nouvelles cartes vu que j'avais acheté le sarcophage et il y a des designs qui sont ultra stylés. Mais j'avoue que moi je vais forcément avoir un coup de cœur plus s'il y a une histoire derrière et tout. Donc je me dis que je préférerais l'animé au jeu, quoi. Hein, comme Mana comparé à Serenity, quoi. Oh, Serenity. Elle a une histoire. Mais laissez-la tranquille. Yugi Muto, Jaden Yuki, Yusefudo, Yuman, Yui. Ouais, non mais ouais, j'avais pas fait gaffe, c'est marrant. Ouais, le problème c'est que Arfail, il y en a plusieurs parce qu'il y a plusieurs rois des jeux dans Arfail. Ouais, c'est compliqué. Il y en a un pour chacun de ces petits domaines, quoi. Il a pas dit Usaku aussi, ça me vénère, même si c'est la pire des merdes, il existe, quoi. Ouais, bah Yusaku. Hein. Ah, il est là. Ouais, parce que Yusaku, c'est comme Yugi qui est dans l'ombre de Hatem. Yusaku, il est dans l'ombre de lui-même, à savoir Playmaker. Et du coup, on entend plus Playmaker que Yusaku, donc techniquement. Ah, jeez. Il se fait voler en fait. Dans ce cas-là, c'est comme Yugi avec Zexal. Plutôt ironique en vrai que genre le fait que ce soit. En vrai, c'est Hatem le roi des jeux jusqu'à ce que Yugi le surpasse. Et genre.
C'est il vrai. Lui a fallu du temps pour devenir le roi des jeux quand même. Bah oui. Non mais oui, mais après ça c'est... c'est toute la symbolique. C'est qu'au début c'était un zéro et puis... Maintenant, il est petit à petit, machin. Au début, il a besoin des Clodia pour gagner. Il est quand même assez pas présent. Et c'est là d'ailleurs où tu remercies la saison 4 qui, quand même, mine de rien, le met en avant. Il a quand même une importance qui devrait être canon, quoi. Ouais. Athem, pour moi, il est, enfin, peut-être pas pour moi, mais il est plus développé dans la saison 4 que j'allais dire dans les autres. Dans la 4, toute la remise en question. Moi, il y a un épisode qui m'avait beaucoup marqué. Alors, il y en a plein. Hein. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup DM. Mais après, ça joue sur la nostalgie. Ça joue sur le fait qu'en VF, ça te touche un peu plus, je trouve, quand t'es petit. Mais moi, il y a un épisode qui m'avait beaucoup touché. C'est notamment celui où du Athem contre Kaiba. Que t'as Kaiba qui menace de se suicider s'il gagne pas, que t'as Athem, il est pas d'accord, il est sur le point de gagner, et que t'as Yugi qui est effrayé par Athem et qui dit non, je veux plus qu'il reprenne contrôle de moi et tout. Je trouvais ce moment hyper fort, quoi. Oui. Moi, je t'avoue que c'est un moment qui m'a pas marqué et je l'ai oublié. Ah. Quoi? Kaiba qui fait son Kaiba, hein, qui dit littéralement vrai, je vais me suicider, hein, fais attention. J'aimerais bien remater l'épisode parce que ça doit être ultra, parce que quand on connaît la censure et toute forklise, mais ça doit être ultra malaisant que le mec il se mette au bord et il se dit ouais non je vais sauter. Il dit littéralement ça, hein. Il dit si tu me bats, ça serait malheureux quand même. Je vais juste surtout ouais, surtout la censure chez 4Kids, oui. Il y a une censure comme ça dans un épisode de GX Moquette, justement un peu de la même tournant, où en fait à un moment t'as un mec, ils sont sur une plateforme en hauteur. Je te dis pas quel épisode c'est, tu l'as pas encore vu. Ils sont sur une plateforme en hauteur et il y a un mec, en fait il se fait il s'était fait contrôler pour faire un duel, et au moment où il perd le duel, en fait il se suicide. Le problème c'est que dans la version qu'on a nous, on le voit pas, en fait on le voit s'approcher du bord et ensuite la scène est coupée et tu sais pas ce qu'il devient, tu vois. Et dans la version Jap, quand j'ai maté GX en Jap, j'étais choqué parce que tu le vois littéralement tomber, mais genre tu sais c'est le 11 septembre le bordel, et c'est vraiment effrayant. J'étais là en mode putain, c'est chaud quand même, enfin. Et c'est une scène qui passe totalement inaperçue. C'était dans quelle saison, celle-là? La 3. Après, rien que DM, il y a des censures, c'est quand même fou, quoi. Attends, je te le dis en privé. DM, les guns sont censurés, Poggers. Ouais. Bon, ça, à la limite, tu vois, bon, peut-être tu remplaces par un autre truc menaçant. Mais ce qui est chaud, c'est quand... Oui, non. Non, mais moi, ce que je trouve chaud, c'est quand le sens de l'histoire change. Parce que d'ailleurs, je sais pas comment c'est. L'anime de Yugi, je l'ai jamais vu en. Enfin, de DM, je l'ai jamais vu en Jap. Mais ouais, j'avais été choqué, par exemple, de. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, que Pegasus n'en a rien à cirer dans le manga du puzzle de Yugi. Il veut juste contrôler la société de Kaiba pour créer un hologramme de sa meuf, quoi. C'est littéralement pas du tout le même propos, quoi. C'est pas du tout la même histoire. Moi ça m'a toujours perturbé, du coup, parce que pareil, j'ai jamais maté DM et tout. Voilà. Et je me souviens plus trop du manga en vrai. Mais ouais, ça m'avait. Du coup, je comprenais jamais vraiment Pegasus, c'est pour ça que j'ai pas réussi à m'attacher au perso. Ah ouais, non mais ah oui, clairement. Ouais. Mais c'est en vrai, c'est vrai que quand tu regardes avec un autre œil, tu te dis bah oui, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Pourquoi Pegasus veut son puzzle, c'est jamais trop expliqué, vrai que, quoi. Ça fait pas grand sens parce que juste après, justement, de tout ce bordel, t'as vraiment Pegasus qui met un point énorme sur sa femme qui est morte et tout, et tu te dis ouais, mais je sais pas, on nous a rien montré de elle. Kaiba le best. C'est genre. Parce que je crois que la femme de Pegasus, on la voit qu'à la fin. Elle n'est pas citée une seule fois, il n'y a pas d'engouement, c'est juste genre tu la vois juste à la fin. Ouais, quoi. Ouais. Alors que dans mes souvenirs, parce que j'ai vu la Pegasus. Saison 1 en Jap, on te parle de la femme de Pegasus. Oui, c'est censuré, ça. C'est des trucs censurés.
Mais ouais, après, voilà, je me dis, ça doit être pareil en manga, donc je me dis, bon, je vais peut-être pas regarder l'anime. Alors, je sais pas si c'est vraiment l'explication ou pas, mais il me semble que le truc, c'est que, en fait, son œil le possédait, et dans les objets du Millennium, l'œil du Millennium est l'objet le plus maléfique après l'anneau. Et du coup, ouais. En fait, le but étant, en gros, dans l'idée que Pegasus voulait récupérer les autres objets du Millennium à cause de l'œil, en fait. Mmh. Et que du coup, à un moment, il parle de sa meuf. Je crois que c'est quand il a plus l'œil ou quand il a une phase où il se fait plus contrôler, tu vois, où il reprend un peu le dessus. Et ouais. Du coup, voilà. Mais ça explique aussi pourquoi il a une espèce de bipolarité comme ça. Enfin, Par contre, tu vois, là, ça me vient en tête là. Mais tu me dis que chaque génération a une version manga qui est vraiment très proche de l'anime et tout. Là en vrai je suis chaud tu vois, parce que je me fais les petites générations qui m'intéressent pas trop en scan, et après je vais sur les saisons un peu, génération un peu mieux. Ils ont pas fait ça justement. Non, apparemment non. Dans GX c'était totalement différent par exemple. Dans GX le manga. Oui, non mais tous les mangas sont différents, oui. Oui, sauf Zexal un peu. Il y a que Zexal qui reprend quasiment tout pour la moitié du manga, et après ça part un peu en couille, mais... Zexal est celui qui se rapproche le plus de son anime. Mm. Tout le reste, c'est extrêmement différent. Genre 5D, j'étais choqué à quel point ça n'a rien à voir. GX un peu aussi. Arcfive, du peu que j'en sais, j'ai pas tout vu, mais apparemment c'est assez stylé. Mm-hmm. Et Vren, j'ai pas de manga, donc... Vrai n'existe pas en fait, ça, on nous a menti. Top 10, c'est un prêt pour ça. Top 10 au Japon, le machin est mort. Le machin, il n'y a aucun autre engouement, mais. Ah, top 10. C'est-à-dire que même le studio eux-mêmes, ils ont avorté le projet en mode. On arrête. Il n'y a pas eu de manga, il n'y a pas eu d'exportation aux États-Unis, ici, mais pas en VF. Bon, écoutez, c'est un peu mort dans l'œuf. En IPP, on savait ça. On le met vraiment top 10, mais parce qu'on est sympa, quoi. Parce que c'est la dernière. Putain. Quel fucking enfer. Non, mais très bien. Oui, donc du coup, on comprend que... ouais, au Japon, ça, ce que vous me disiez, du coup, ça cartonne. Enfin, que ça continue à être, d'être très, très important. Oui, au Japon, c'est comme... oui, c'est comme je te disais, c'est comme Pokémon, tout ça et tout. Peut-être même... Non, peut-être pas plus, quand même. Parce qu'il y a les gosses. Mais par contre, je pense, j'ai pas les chiffres ni rien, tu vois, mais je pense qu'au Japon, pour le coup, c'est vraiment une génération qui a grandi avec Yu-Gi-Oh! Et qui continue. Je pense qu'il y a très peu de nouveaux qui doivent s'y mettre. En tout cas, j'imagine mal des enfants mater Yu-Gi-Oh! Surtout que dans Arcfive et Vrens, ces dernières années, on a eu des trucs qui peuvent vraiment être choquants pour des gosses. Et tu te dis, putain, un gosse se retrouve devant ça le samedi soir, il est pas bien. Ouais, je comprends. Oui, c'est sûr. Je pense que le studio le sait, et c'est pour ça qu'ils adaptent un petit peu quand même des fois des petits trucs pour que ce soit plus enfantin, pour si jamais un autre regarde, mais ils savent le public qu'ils ont derrière, et ils savent que c'est des habitués. Ouais. Après tu me diras, techniquement à Thème ils tuent juste des gens, donc c'est un peu... Oui, mais ça c'est le manga, j'avais... Oui, c'est le manga, ça n'a rien à voir. Techniquement dans l'anime aussi, mais c'est pas clair. Non, mais c'est l'adaptation qui veut ça, là c'est, on parle des trucs originaux, tu vois. Oui, je vois. Eh bien, moi, je terminerai en conseillant, comment dire, en conseillant le film. Bon, même s'il date maintenant, Dark Side of the Dimension. Moi, j'ai trouvé très intéressant parce que ça met justement en valeur. Enfin, vu que ça se passe après le manga et que apparemment, je crois, c'est canon. Il me semble que le film est canon, que ça montre effectivement. La progression de Yugi, mais sans Atem, quoi, sans sa face Atem, de vraiment Yugi Muto. Et puis aussi parce que dedans Kaiba est complètement démoniaque, dans le bon sens du terme. Il est complètement... Je veux un spin-off sur lui, quoi, c'est pas possible, quoi. Il est... il est incroyable. Yugi qui a un spin-off de Kaiba, mais je le regarde toute ma vie. Hein. Le film est officiellement la suite du manga de DM. Oui, c'est officiellement. Je sais plus comment il s'appelle, l'auteur de DM, mais il a littéralement fait Dark Side of Dimension. Kazuki Takahashi. Oh, c'est beau, en cœur, quoi. Mais il a écrit l'histoire et tout. Ouais, c'est lui qui a littéralement tout fait.
Oui, non, il a pas tout fait, déconne pas, mais il a fait toutes les grosses bases. Enfin, je veux dire, il a supervisé le film et je crois même, en tout cas à l'époque c'était des rumeurs, je sais pas si ça a été confirmé ou pas, mais je crois même qu'il a dessiné pour le film. Je crois qu'il a animé. Il a écrit la base, quoi. Enfin, il avait. Oui. C'est pas lui qui avait. Genre, non, il avait le plot, l'argent. Ensuite il a supervisé le truc, mais il avait peut-être une idée, il a peut-être pas tout décrit, tu vois, mais il avait peut-être non, une idée. Il a pas voilà. Non plus fait un manga de ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a vraiment, genre, enfin, c'est sa patte, quoi. Il a. L'argent, j'ai c'est son idée et tout, enfin, oui, il a bossé dessus, quoi, comme Toriyama bosse sur Dragon Ball Super, quoi. D'ailleurs, j'envoie dire Darkseid en VF, bah. En vrai, on espère parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup par exemple, le doubleur de Yugi, Laurent Sao, qui a été beaucoup mis en valeur ces derniers temps. Et c'est vrai que quand on bah, tu sais, Gigi, quand on en avait parlé avec lui, ou même quand on le voit souvent avec Konami et tout, c'est sûr que. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, après, c'est peut-être une impression, mais qu'il y a une volonté, ouais. Peut-être pas en projet, mais au moins, il y a une volonté, tu vois, de vouloir le faire. Bah, de ce qu'on semble percevoir, et ça n'a rien d'officiel, mais c'est. C'est en projet, ils essayent de le faire, mais pas plus d'infos. C'est vrai. Mais dans les années à venir, il y a moyen qu'on le voit en VR. C'est vrai. Parce que Darkseid, c'était quand? C'était 2016, je crois. 16, ouais. Oui, c'était ouais, exactement. Oui, parce que je me souviens, oui, c'était là où t'avais le alternatif Dragon Blanc. Je crois que c'était avril 2016, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que la série abrégée, c'est très cool aussi. C'est pas canon la série abrégée, mais c'est cool. Hein. Ah, j'aimerais bien que ce soit canon. Quelle angoisse. Attends, je veux que Devlin avec ses la musique. Non, ouais, t'es magnifique. Officielle. Tu veux pas du Justin Timberlake à chaque fois? Putain, l'enfer, putain. Non, quoi, bordel. Même si j'avoue que Duke Devlin maintenant il brille dans mon âme grâce à ça quand même. C'est Et oui, mais mec, franchement, si je connaissais pas ça. C'est pas mon Yu-Gi-Oh! Ça, c'est pas mon Yu-Gi-Oh! Putain, j'ai envie d'en mater des épisodes de cette merde, putain. C'est terrible. Eh bien, merci messieurs d'avoir pris part à ce joli débat sur Yu-Gi-Oh! Je vous avoue, comment dire, ça t'a donné envie, tu vas tout marathonner Poggers. Ah, non mais moi je te dis c'est vraiment c'est juste la masse, quoi. C'est vraiment ça qui me saoule. Ça serait un truc qui me hype de fou, oui et tout, mais c'est comme de base, c'est ça m'intéresse pas plus que ça. Moi c'est un peu terrible, mais pour ceux que ça intéresse, je regarde deux épisodes de GX chaque lundi. Donc si jamais vous avez Discord, venez sur le Discord, sur le salon débat Yu-Gi-Oh, pour me voir découvrir GX, parce que vraiment je connais quasiment rien du tout. Donc c'est vraiment la découverte. On l'envie, hein. Et mon cher Moquette. Mon cher, oui. Moquette, on est à, oui, où d'ailleurs, quel épisode? J'en suis épisode attends, 13-14, je crois. 15. Ah oui, donc t'es encore début de la saison, vraiment début. Ouais, je suis encore au début, ouais. Les deux derniers que j'avais vus m'avaient pas emballé, mais j'en suis quand même encore au début. Regarde Yu-Gi-Oh! Ah oui, ouais. Oui. Quand tu seras en saison 3 et qu'il joue Vincent, Poggers. Ah, la saison 3, il va plus. Ah, mais la saison 3, franchement, Moquette, tu vas être avec. Mais t'as même moi, la saison 3. First, non, au contraire, Poggers, le fait d'en mater pas beaucoup, ça me fait me créer un, entre guillemets, un manque, tu vois. Genre, je me dis, ça fait un peu longtemps que j'ai pas regardé. Enfin, et je sais que si je devais trop me les enchaîner, je pense que je ferais. Pas une overdose, mais je comment dire, putain, j'ai du mal à m'exprimer, il commence à se faire tard. Je me sentirais un peu lassé et trop d'être dedans, ça me saoulerait, je pense. Mais là, le fait de faire des bonnes pauses, ça me stimule, c'est la stimulation. En fait, c'est bien parce que prendre cette saison 1 vers saison 2 tranquillement, ça. Après, si ça se trouve, après je vais rusher, hein. Peut-être qu'il va y avoir des trucs et je vais me dire ça, c'est pour ça, parce que je pense que saison 1 c'est un bon rythme, parce que c'est vraiment, ça te laisse le temps
Parce que c'est ouais. plutôt lent, donc si tu prends le rythme comme ça, tu apprécieras quand même peut-être mieux sur le long terme. Mais qui sait, peut-être que en 2022, ou quand One Piece sera sur sa fin, je vais passer du petit Jaden Yuki au monsieur avec des cornes. Là, je ne sais plus comment il s'appelle. Peut-être que. Des cornes peut-être, mais il a des cornes, c'est pas ma faute, il a des cornes. You say, il est une fille. Tu sais, il y a une fille, elle s'appelle Eri, elle est dans les machins. Oh, mais oh, quel enfer! Oh non, ça j'ai oublié. Déjà que c'est Kaiba, le doubleur de son ravisseur. Ça explique très bien des choses. Quelle horreur, putain, c'est complètement maléfique. C'est complètement maléfique. Non, en tout cas, eh bien, merci d'avoir été présent, messieurs les invités et messieurs sur le chat. On se donne du coup rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain manga no Mi, et cette fois on parlera des vilains dans les animés et dans les mangas. Ça va être très cool. On va parler de Marek. Mais ils n'ont pas compris. Ah oui, c'est la suite de Yu-Gi-Oh. Ils ont pris de l'avance là. Ça va être très très cool parce que les méchants, c'est assez intéressant, hein, comme encore une fois comme le tweet de je sais plus qui que j'avais vu. Quand on est petit, les héros, on a envie d'être comme eux, et quand on est grand, les méchants, on les comprend. Voilà, c'est une très belle situation que j'aime beaucoup. On vous fait plein de bisous. Portez-vous bien, bonne soirée, des gros bisous, et puis la VOD sortira très bientôt sur la chaîne, ne vous en faites pas. Joue à bouclier, épée bouclier, c'est trop bien. Team épée, team bouclier, ouais. Battez-vous. Ouais. C'est le dressage et tout. Ouais, non, mais calme-toi. Pokémon, c'est la vie. Le let's play en ce moment sur la chaîne. Ouais, très bien. Allez. Oublié contre cure-dent, c'est les gars. J'attendais que ça. Des bisous, les gens. Ciao. Des bisous, au revoir. Donc.